Salut, salut, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce direct. On va parler un peu de Basic Training. On a d'abord lancé le direct tout à l'heure, mais on avait des problèmes avec YouTube, bien sûr, qui faisait comme si vous voulez un peu bloquer la page, quoi. Donc, bloquer la vidéo, quoi. Donc, parce que j'avais pas lancé, en fait, j'ai pas lancé la vidéo proprement. Parce qu'il y a une manière avec laquelle j'ai l'habitude de lancer, mais j'ai pas lancé la vidéo proprement, quoi. Donc, j'espère que vous allez bien, hein. Pour a vidéo, protégez-vous, en fait. Respectez les mesures, quoi. C'est super important. Oh, super, super important. Vraiment, c'est super important. Donc, j'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle vague d'arnaque. Il y a une nouvelle vague d'arnaque actuellement en Afrique. Ne tombez pas dans ça, bien sûr, c'est. Ne tombez pas, il y a une vague d'arnaque aujourd'hui. Les gens qui disent que ils jouent à la loterie américaine sans le passeport. C'est pas possible. On ne joue pas, on joue pas à la loterie américaine sans vos passeports, mes amis. Si on vous fait jouer à la loterie américaine sans passeport, c'est l'arnaque. On prend votre emprunt. Ça, c'est quelque chose de réel, quoi. Si jamais quelqu'un vous fait jouer à la loterie américaine. Parce que même si vous gagnez en fait, même si vous gagnez là, n'avez pas voyagé. Non monsieur, vous n'allez pas du tout voyager. Donc avant qu'on commence activement le truc, si vous avez des questions et tout. Si vous avez direct, si vous avez des questions, posez d'abord. Parce qu'on a deux numéros, je vais dire ça comment? On a donné le numéro pour que vous puissiez contacter la chaîne et tout, mais beaucoup en abusent, quoi. Ils abusent, en fait. En fait, c'est ça avec le. C'est ça généralement avec. Il dit ça. Avec l'homme noir. L'homme noir francophone. L'homme noir francophone est comme ça. Tu donnes la main, il veut prendre le bras. Veut tout prendre, juste à couper ta tête. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse francophone africaine. Oh, l'amiral par excellence. Bonjour mon frère, toujours un plaisir de te voir. Toujours. Toujours. Je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais. Des gens abusent. Mais je ne vais pas arrêter ce que je fais parce que les gens abusent de. Les gens abusent de tout ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est ça. Donc,
Nous avons ensuite, ça fait déjà 5 minutes que nous sommes en direct. On va parler de basic training aujourd'hui. Parce que le dernier direct qu'on avait fait, on avait fait un direct sur. On pouvait poser les questions et tout et tout. Donc aujourd'hui, on va parler du basic training et tout ce qui se passe dans l'armée américaine. Comment se préparer pour le basic training et tout et tout. Donc si vous pouvez partager la vidéo, c'est cool. C'est cool, on va commencer quoi. On va commencer. Ah, oui, aussi un truc, c'est que je cherche pas les. Je cherche pas les vues. Je cherche pas les vues en fait. Loin de là. Les vues du genre partagées, je veux 5 000 vues, je veux 10 000 vues. Non, je suis pas dans ça. C'est vrai que la chaîne atteint un statut, bien sûr, on demande de faire certains trucs, mais non. Nous sommes actuellement, je sais pas trop, je sais pas qui vous suivez sur YouTube. Nous sommes la chaîne, la seule chaîne francophone qui parle de l'armée américaine. On vous explique tout. C'est pour vous, ça doit être le Graal, quoi. Parce que quand moi je suis arrivé aux États-Unis, en ce qui concerne l'armée américaine, personne ne m'a orienté. Personne ne m'avait orienté, bien sûr. Personne. Personne du tout. Personne ne m'a orienté. Je me basais de ce que je regardais parfois sur YouTube et tout et tout. Surtout en français, quoi. Parce que c'était difficile de trouver. Je n'ai pas trouvé même une chaîne en français qui parlait de comment rejoindre l'armée américaine, comment avoir une bonne carrière, comment ne pas faire d'erreur, préparer le ASVAB, aller en formation et tout ça. Donc, comme on dit ici aux États-Unis, I learned the hard way. Et quand j'ai appris ça, bien sûr, je me suis rendu compte que non, il faudrait que je partage avec tous ceux qui parlent français parce que c'est difficile. Parce que contrairement à notre communauté francophone, c'est que francophone ou anglophone, parce que la communauté anglophone n'est pas pareille en fait. Communauté anglophone n'est pas pareil. La communauté anglophone, elle est très soudée par rapport à la communauté francophone. Donc, c'est pour cela que nous avons créé la chaîne et tout et tout. Et la chaîne monte directement de palier en palier, de palier en palier. Nous avons franchi la barre des 2 000 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie parce que honnêtement parlant, quand on a commencé le projet de Live Like a Soldier, on n'avait pas imaginé que ce soit à cette ampleur-ci, quoi. Je me disais, bon, si j'ai même 100 abonnés, ça va. Si même 50 personnes regardent mes vidéos. Mais nous avons sorti la première. J'ai sorti la première vidéo parce qu'avant, je travaillais seul. On a commencé la première vidéo, bien sûr. Pam! La vidéo a hit les 11 000 vues. En 6 mois. Ça m'a surpris en fait. J'ai dit, donc les gens sont intéressés par ça et j'ai commencé à pomper les vidéos quoi. J'ai commencé à pomper les vidéos. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille. Live Like a Soldier, vraiment, je suis très content. Je suis très content de vous parler. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Ça fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous et tout et tout. Même comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de personnes en abusent. Beaucoup de personnes abusent de tout, quoi. Donc, salut à. On a déjà salué l'amiral par excellence. Salut à Amadjan. Salut à Ivan. Ivan, bien sûr. Salut à. Coucou Jean-Paul Amoussou. Oh, salut à vous. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. King aussi. Ça fait plaisir de vous parler tout le temps. C'est après le sud direct, bien sûr, on va poster une vidéo. Parce que la vidéo là avec. Ça avait des difficultés à être load sur YouTube.
Parce que quand on poste des vidéos sur YouTube, bien sûr, YouTube passe nos vidéos sur l'algorithme. Parce qu'ici, on respecte. Parce qu'on respecte la. Comment on appelle ça? Oh. L'intégrité, c'est quoi l'intégrité professionnelle, un truc dans tout genre? Parce que YouTube vérifie que tu ne copies pas. Tu ne copies pas les formations d'une chaîne ou bien les trucs sur Google et tout et tout. Donc, quand YouTube finit de taper son algorithme, il t'envoie le résultat pour savoir si ta vidéo est publiable ou pas. Donc c'est ça. King dit ma voix, écrit trois questions sur Instagram. Ok. Sur Insta. Bon, je vérifie directement parce que j'ai un peu de temps. King. Écoute, généralement, les gens m'écrivent, me demandent, est-ce que je ne me souviens pas? Je me souviens parfois de certains trucs. Parce que c'est à base de ça. Parce que généralement, c'est à base de ça que j'oriente les gens, ou j'oriente les gens aussi. C'est King. Oh, yeah, je revois tes messages. Oh, d'accord. Je reviens, je suis tout sur tes messages actuellement. Oh, tranquille, j'espère que ça se passe bien dans ta vie et tout. Vous savez, la vie est difficile. La vie est difficile pour tout le monde. Ne vous dites pas qu'à vous, États-Unis, la vie va être belle. C'est très fou. Hein? La vie devient encore plus difficile quand vous êtes ici. Tout simplement parce que ici, tout est organisé, tout est informatisé, tout est optimisé. Ça veut dire que. Vous n'allez pas dire que vous avez fait 1 mois ou 2 mois sans payer le loyer, que vous allez causer un peu le bailleur, c'est très faux. Donc, c'est un peu ça. Ok, on va lancer. La première question vient de tomber avec The King, bien sûr. Il dit après 6 BN de temps, on peut mettre fin à notre contrat dans l'armée. Écoutez, le contrat de l'armée est simple, hein. Le contrat de la main est simple. Du moins, moi, je vois ça de manière très simple. Beaucoup de personnes vont vous dire c'est compliqué, il y a des trucs bizarres et tout. Vous signez un contrat de 3 ans pour votre MOS. OK? On ne peut pas rompre le contrat. On ne peut pas rompre le contrat. Le contrat doit finir. Ou bien encore, eux, ils peuvent rompre le contrat si pendant votre service, vous avez des trucs comme le poids, vous devenez trop gros. Parce que chaque, je pense, une fois, 2 fois par an, bien sûr, on prend votre poids et votre taille pour regarder votre indice de masse corporelle. Quand même, si votre indice de masse corporelle est correct, vous restez. Mais quand vous êtes en surpoids, ou bien vous avez. Bien, vous êtes en surpoids, bien sûr. Quand vous êtes en surpoids, bien sûr. On vous met sur ce qu'on appelle le counseling. On vous dit que bon, comme ça, si c'est que vous ne rectifiez pas votre poids, la prochaine fois qu'on va vous peser, on vous met dehors. Donc voilà encore l'une peut-être. Là, c'est, on appelle. En fait, il y a deux manières de sortir de l'armée. Il y a sortir de manière honorable et sortir de manière déshonorable. Quand vous sortez sur le poids et tout, les trucs, vous êtes honorable. Maintenant, quand vous faites quelque chose qui est mauvais, vous êtes inclus dans, je ne sais pas trop, vous avez fait quelque chose de mal. On vous donne ce qu'on appelle le dishonorable discharge. C'est ça qu'on appelle encore en français. Bien sûr, en français, vous sortez mal de l'armée, en fait. Et généralement, ce sont ces personnes-là qui viennent intoxiquer ceux de dehors pour dire que l'armée n'est pas comme ça, on m'a fait comme ça et tout et tout. Et quand vous sortez peut-être avec cette discharge-là, vous n'avez pas la possibilité. C'est vraiment difficile pour vous de pouvoir avoir encore, de pouvoir travailler ou bien de faire autre chose dans le monde du civil. Parce qu'il faut noter que, bien sûr, masque si dérangé, peut attendez. Ok, parce qu'il faut noter une chose, c'est que
Les gens aux États-Unis, vous allez voir beaucoup de personnes de vivre, ils vont dire qu'ils sont vétérans, ils ont fait ceci, ou bien ils se retrouvent peut-être de yo, ils sont homeless, sinon pas ou habiter tout et tout. La majeure partie d'entre eux sont sortis mal de l'armée. Et la majeure partie d'entre eux, bien sûr, ont mal géré leurs finances, qui fassent en sorte que ils ont peut-être un malheur qui est arrivé dans l'armée et tout, se retrouvent à la rue, en fait. Donc, il y a tout ça. Donc, tu peux pas te lever le matin et dire que tu veux rompre ton contrat avec l'armée, c'est faux, tu peux pas rompre ton contrat. En gros, c'est ça. Donc, j'ai juste répondu à cette question-là pour que ce soit clair, parce que c'est une question qui revient la plupart du temps, bien sûr, la plupart du temps, bien sûr, dans les commentaires, quoi. Donc, en fait, on va commencer. Ah, il y a 15 minutes, tout et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'on se prépare pour le busy training? On se prépare pour le busy training en, je vais dire, quatre étapes, en fait. Préparez-vous pour le busy training en quatre étapes. Si vous avez déjà signé votre contrat, ok, vous êtes tranquille, vous attendez juste ce qu'on appelle le shipping day. Et à savoir que le shipping day, c'est le jour où l'armée commence à vous payer. Et quand l'armée commence à vous payer, ça veut dire que votre contrat commence. Donc, ça veut dire que si vous avez un contrat de 5 ans et que vous partez au basic training ou bien vous parlez au cours d'anglais, parce que quand vous partez au cours d'anglais, votre contrat a commencé parce que l'armée commence à vous payer. L'armée commence à vous payer, ça veut dire que votre contrat commence. Je répète une deuxième fois. Quand l'armée commence à vous payer, vous partez au basic training ou bien vous partez au cours d'anglais, c'est le jour où votre contrat commence. Quand vous êtes National Guard, quand vous êtes réserviste, quand vous drillez, quand vous partez au drill, c'est-à-dire vous partez travailler avec l'armée, je crois, une fois par mois, 3 jours, et que vous n'êtes pas encore parti au basic training, je pense que vous savez quelque chose, mais votre contrat n'a pas commencé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ce qu'on appelle MOS qualified et vous n'êtes pas passé par le Basic Combat Training. Donc, quand vous respectez les deux éléments-là, c'est là où généralement vous appelez soldier. Donc, l'armée commence à vous payer quand vous partez au Basic Training. Donc, si vous avez un contrat de 5 ans, le jour où vous partez au Basic Training, c'est là où votre contrat commence, en fait. Donc, que vous soyez actif, que vous soyez reserve, it doesn't matter. Your contract starts when you jump at the Basic Training. Too easy. Donc, comment il faut se préparer pour ça? J'ai dit, je résume en quatre choses, quoi. La première des choses, c'est votre alimentation. Vraiment. C'est votre alimentation. Parce qu'arrivé au basic training, vous allez être choqué sur la nourriture. La nourriture, comparé à un Africain, nous savons tout ce que nous mangeons en Afrique, bien sûr. Nous mangeons bien. Mangeons bien. Nous mangeons bien en Afrique. Comparé à la nourriture qu'on trouve ici, c'est. Donc, vous devez contrôler premièrement votre alimentation parce que quand vous allez arriver au busy training, vous allez courir chaque jour. Votre rythme cardiaque va augmenter et baisser généralement la plupart du temps. Donc, contrôlez votre alimentation. Ça, c'est la première des choses. Il faut contrôler votre alimentation. Mangez plus sain. Évitez beaucoup d'huile rouge. Parce que nous, en Afrique, nous, les Africains, on mange beaucoup, beaucoup d'huile rouge. Évitez les sandwichs, les burgers, les trucs comme ça. Buvez de l'eau. OK? Arrêtez les sodas. Arrêtez la bière, arrêtez le whisky. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire et tout, mais buvez modérément, en fait. OK? Buvez beaucoup d'eau. Vous devez boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Vous verrez, OK? En inbox, vous allez me dire ce que ça fait sur votre organisme. Buvez de minimum, c'est-à-dire que si vous n'avez rien bu en un jour, ça doit être 2 litres d'eau. Voyez ouais, ici aux États-Unis, ça c'est, je crois, 10 000 litres. Ok, moi j'en bois 7 par jour, même si je bois uniquement d'eau. J'en bois généralement 7, vous avoir 8 bouteilles d'eau par jour en fait. Ok, ça va faire en sorte que votre peau va être saine et tout, votre alimentation. Donc la première des choses que vous avez, c'est votre alimentation parce que ce que vous mettez dans votre corps, ça définit ce que vous êtes. OK? Si vous mettez la poubelle dans votre corps va ressembler à la poubelle. Il n'y a pas de magie dans ça. OK? Buvez de l'eau. Les sodas, buvez modérément et tout et tout. La deuxième des choses, c'est que vous devez avoir une activité sportive régulière. Quand je dis une activité sportive régulière, ça dit prenez quelque chose. En Afrique, généralement, on aime le football. Si vous aimez le football, jouez au moins une fois par mois. On ne peut pas dire par mois.
même 5 ou 6 fois par mois. C'est-à-dire, vous pouvez GPT une fois par mois, ça fait 4, une fois par semaine, pardon, une fois par semaine, et tout et tout. Une fois par semaine, je pense, ça fait 4 fois par mois. Vous pouvez aller à 6 fois ou 7 fois par mois, commencer un peu à courir, c'est-à-dire, dépendant de l'heure que vous travaillez ou bien que vous allez à l'école et tout, prenez du temps de pouvoir courir un peu, quoi. Vous courez, même si c'est 1 mile par jour, 2 miles, 3 miles, vous allez voir. Quand vous allez arriver peut-être au cours d'anglais ou bien à votre busy training, votre corps sera déjà un peu habitué au rythme. Donc, c'est ça. Après, faites une activité sportive régulière. Ensuite, comment se préparer pour aller au busy training? Si vous habitez dans une maison, bien dans un appartement, bien sûr, et que vous vivez seul, mon conseil, c'est de rompre votre contrat. C'est la même, on va vous donner le document, c'est possible. Quand vous partez dans le military service, vous devez rompre votre liste. Bon, rompre, il faut rompre votre liste, en fait. Ou bien, si vous avez quelqu'un qui peut habiter chez vous, il habite. Mais, on a eu cette histoire qui vient de tout, c'est que quand vous laissez quelqu'un chez vous, il reste faire les dégâts et ça reste sur votre record, quoi. Donc, moi, je conseille souvent aux gens de prendre les affaires, d'aller mettre dans ce qu'on appelle aux États-Unis les storage. Quand vous mettez votre truc dans le storage, désolé, il y a eu un petit bof. Quand vous mettez dans le storage, ça va faire en sorte que vous économisez en argent. Généralement, on paye le storage par mois, c'est pas comme le loyer. Et à savoir, c'est que quand vous allez en formation, comme on l'a dit dans la vidéo de comment est-ce que vous devez l'argent quoi vous gagnez pendant le budget, il y a ce qu'on appelle le lease, le billet, bien sûr. Donc pour avoir votre billet, bien sûr, il faudrait que votre nom soit sur le lease de votre maison. Mais en rompant votre contrat, bien sûr, vous aurez toujours le lease, bien sûr, toujours le lease, mais et tout. Donc en ce qui concerne la maison, parce que vous devez payer la maison chaque mois et vous n'allez pas avoir accès à votre téléphone et tout, parfois dans certaines bases on vous donne pas, vous dites que avant de payer ma rent, je vais payer ma maison et tout, je vais payer mon loyer. Parfois on vous laisse pas la possibilité de toucher à votre téléphone. Donc par mesure de prudence et de sécurité, vous pouvez prendre vos choses, aller mettre chez un ami ou bien aller mettre dans un storage et tout, si vous avez le lease, vous partagez ça pour pouvoir toujours recevoir l'argent du loyer. Donc il est possible que vous recevez l'argent du loyer mais vous n'avez pas où habiter. Vous avez rompu le lit, ça se passe. Beaucoup de personnes le font. Donc, il faut manager vos finances. C'est-à-dire, mettez tout ce que vous avez sur ce qu'on appelle auto-payment. Mettez ça sur auto-payment. C'est-à-dire, quand votre argent arrive, ça paye vos factures directement sans que vous n'ayez à toucher votre téléphone. Mais c'est souvent différent avec les choses comme le lease de la maison, le loyer. Parce que le loyer, généralement, il faut partir ou bien il faut aller payer directement et tout. Généralement, ça ne prend pas le auto-payment. Parce que le loyer ici, là, ça varie. Un jour, ça peut être bas, un jour, ça peut être haut. Donc, il faut manager vos finances avant de partir au business training. Parce qu'arriver là-bas, parfois, ils ne vous donneront pas la possibilité de pouvoir le faire. Donc, par mesure de prudence et de sécurité, c'est mieux, bien sûr, que vous puissiez manager vos finances. Ensuite, il faudrait que vous partiez avec tous vos documents officiels. Parce que la majeure partie des... La majeure partie des recruteurs, généralement, ne font pas bien le travail. Ils ne mettent pas vos documents comme cela se doit dans le système. Ce qui fait en sorte que quand vous arrivez au business training, tu dis peut-être que j'ai la licence. Quand on ouvre ton fichier, il n'y a pas de licence à l'intérieur. Donc, or, si tu es venu avec ton document là-bas, tu pars directement et tu introduis ta licence dans le système, tu introduis tes documents dans le système parce que généralement, les recruteurs ne font pas bien leur boulot en fait. Généralement, 80% même ne font pas souvent bien leur boulot. Dès que vous allez signer pour eux, ça va. Pour ceux qui sont en contact avec des recruteurs actuellement, vous pouvez m'en dire quoi. Parce que un recruteur, bien sûr, avant que vous ne signiez, il est très gentil et tout, il répond, vous appelle et tout. Mais une fois que vous avez signé, vous allez généralement voir que parfois, il ne vous gère même plus, en fait. Vous avez déjà signé, donc il va s'occuper d'autres personnes, quoi, qui voudraient aussi signer. Donc, en gros, c'est ça. Et il faudrait aussi comprendre que vous êtes de grandes personnes. Vous devez prendre soin de vous-même. C'est pas au recruteur de prendre soin de vous, quoi. I mean, c'est pour ça qu'on dit que l'armée américaine, on la joint quand on est majeur. Quand on est majeur, pardon. On rejoint l'armée américaine quand on est majeur. À partir de 18, on est majeur. Ça veut dire qu'on prend ses décisions par soi-même. On peut prendre soin de soi-même. Faut pas toujours rester là à dire que je vais attendre que mon recruteur fasse X ou Y. C'est pour ça que la chaîne est là. S'il y a un problème, hit me up.
Écrivez-moi sur email, écrivez-moi sur Instagram, bien écrivez-moi pas sur mon adresse. Mais ce qui est là, c'est que je ne fais jamais plus de 5 jours sans répondre au message. Comparé peut-être au numéro au téléphone, parce que c'est l'équipe généralement qui donne un numéro au téléphone, mais sur email ou bien sur Instagram. Bah, ce sont mes coordonnées, vous pouvez m'écrire et tout. Donc, quand c'est comme ça, il faut gérer les choses par vous-même, bien sûr. Il faut gérer par vous-même. Apprenez à tout gérer par vous-même parce que personne ne va le faire à votre place. Ni votre recruteur, ni personne. Personne ne le fera à votre place. Donc, en gros, c'est ça. Donc, la troisième et la dernière des choses de comment se préparer pour le basic training. Comment se préparer pour le basic training? Je vous recommande, bien sûr, je vous recommande, si vous êtes marié, de vous marier. Donc, si vous n'êtes pas marié et que vous avez l'objectif peut-être de vous marier, je vous conseille de vous marier. Ça sera bénéfique pour vous deux. Si vous avez des enfants avec une femme et que vous n'êtes pas marié, mariez-vous. Ça sera bénéfique pour vous deux. Ou bien si vous êtes une femme, vous avez des enfants avec un homme et vous partez au busy training, mariez-vous. Vous verrez. Vous me direz après, en fait. OK? Vous me direz après, bien sûr. Donc, en gros, c'est ça. Voilà les petits éléments, en fait. Ces petits éléments à savoir. Il n'y a pas, y a rien, y a rien d'exceptionnel. Pour ce problème, il n'y a rien. Mangez bien. Dormez, faites du sport, réglez vos finances. Vous êtes ready pour le basic training. Il n'y a rien là-bas en fait. Il n'y a rien au basic. Il n'y a rien dans la formation militaire. Là. Le basic, là, comment on dit? Basic combat training. C'est-à-dire, c'est la formation que tout soldat basique peut avoir. Maintenant, vous allez voir sur YouTube des trucs vraiment crazy. Tellement crazy que voilà comment la formation américaine se passe et tout et tout. Ça, ce sont des écoles spécialisées dans l'armée américaine. Il y a l'école des Airborne, ceux qui sautent des parachutes là. L'avion part en l'air, ils sautent. Là, ça, c'est l'école des Airborne. Il y a encore les Rangers, il y a les Special Forces. Il y a tellement d'écoles de combat dans l'armée américaine. Ça veut dire que à la base, là, quand vous avez fini votre basic training, vous pouvez être qualifié maintenant pour voir si vous allez partir maintenant aux écoles de spécialisation quoi comme Airborne, Pathfinder ou what else? Il y a beaucoup, il y a tellement de courses qui vous permet aussi là-bas, tellement d'écoles dans l'armée américaine qui vous permet vraiment d'être, qui vous permet vraiment d'être un bon soldat quoi. Donc, ne vous gênez pas pour les vidéos que vous regardez, non. Rien n'est dur là-bas. Et même ces écoles-là, en fait, rien n'est difficile. Rien n'est dur. C'est difficile, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on va un peu faire une petite pause là. On sait c'était à quoi s'attendre, comment se préparer, quoi, pour le basic training. Ça, c'était la préparation. La deuxième partie, maintenant, ça sera à quoi s'attendre quand on va au basic training. Donc, je vais répondre à deux petites questions qui disent quand on est réserviste, CBN. Tendu, le contrat le plus court. Nous avons fait une vidéo, bien sûr, qui parle des contrats de l'armée. Les contrats partent parfois de 2 ans à 8 ans. Dépendant du compartment où vous trouvez, il y a des gens active duty qui ont les contrats de 2 years, but that's so hard. That's so hard to find out. C'est dur de trouver un contrat de 2 ans, 3 ans. Ça fait déjà 4 ans. C'est dur, c'est vraiment difficile. Il y a des gens qui ont des contrats de 4 ans, de 3, 2 ans, 3 ans. Parce que ça dépend de ton MOS. It depends of your MOS, bien sûr. Ça dépend vraiment de ton MOS. Ça dépend de ton MOS. On a une vidéo, on a parlé des contrats, en fait. Il faut jeter un coup d'œil. Mais ça dépend du compromis. Parce que quand vous êtes reserve, 6 years, 6, 8 years. Maintenant, active duty, they can be flexible. Right? Active duty can be flexible. Like 2 years, 3 years, 4 years, sometimes 6 years active duty. It's the pain of your MOS. I mean, like I said, in one of my previous video was like, if your AIC is longer, your contract can be longer. Because look, do the math. Faites juste la mathématique. Si votre AIC c'est 6 mois, c'est un an. Si votre AIC c'est un an, vous pouvez pas avoir un contrat de 3 ans. It's hard. Because they spend money on you
for 1 year. You gotta pay them back. So you're gonna pay them back. So it's hard. It depends on your MOS. Sometimes 2 years. MOS like 80 mic, like MOS simpler. 92 golf. Like you don't need a lot of time AIG to graduate it. Généralement, c'est cool, hein? Mais les MOS vraiment où on fait beaucoup d'écoles. Quand vous partez votre EIT, le EIT est long, vous faites beaucoup d'écoles là. C'est grave de trouver un contrat cool. Prochaine question. Une question qu'il me pose, c'est bonjour, ça fait plaisir de te voir là. Je voudrais te demander. La US Navy, c'est l'équivalent de Marine nationale française. En fait, je vais revenir sur ces détails en fait. Beaucoup de personnes me posent des questions sur la France. Je connais rien de la France. Si jamais aller en France d'ailleurs. Je connais rien de la France. Parfois, l'équivalent d'être dans l'armée française et l'armée américaine. Il n'y a pas d'équivalence. L'armée américaine n'a pas d'équivalence. Right? Parce que ce ne sont pas les mêmes standards. Ce n'est pas les mêmes, ce qu'on appelle les requirements. It's not the same thing. Even though, quand tu es même dans le Marines, tu veux rejoindre l'armée américaine. Tu reportes basic training. Even though it's the same country. Doesn't matter. Elle dit que si tu es dans le Marine Corps, or you are in the Air Force, you want to join the Army. Tu vas repasser par le système. For basic training, like everyone else. It's common sense. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'équivalence entre l'armée l'armée américaine et une autre armée, quoi. A pas d'équivalence. Les Marines, il y a deux types de personnes qui sont. Il y a trois corps dans le military service aux États-Unis qui sont dans l'eau. Il y a le Coast Guard. Beaucoup de personnes connaissent pas ce que le Coast Guard. On n'entend pas trop parler en fait. Mais c'est un corps. C'est le Coast Guard. C'est ceux qui gardent les côtes là. C'est eux. Ils sont généralement beaucoup dans les bateaux et tout. Ensuite, nous avons le US Navy. C'est eux-mêmes qui sont dans l'eau et tout. Un peu maintenant, on a le Marine Corps. Beaucoup de personnes me posent des questions sur le Marine Corps. I'm not a Marine, man. I'm not a Marine. I don't want to be in a Marine. I'm in the US Army. Proud to be in the US Army. I mean, being in the US Army is one of the best decisions I made in my life. For real. It's not a joke. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est l'armée que je conseille. No Air Force of... I don't like that call. I mean, it's good. I mean, if you really want to go to school, I mean, it's the best way. I mean, it's your best option. Because I mean, got a lot of programs. And they have a lot of positions. So... Chacun peut venir, comme on dit souvent. Chacun peut venir manger sa part dans la main américaine, bien sûr. Air Force. Oh ouais, on a fait une vidéo encore. Visitez la chaîne, bien sûr. Comme je le dis généralement, c'est... Je ne cherche pas les vues. Je cherche pas à me faire de l'argent. Je dis ça comment? Fais de l'argent tout et tout. Comme ils disent, ouais, pour faire tout et tout. Je cherche pas ça, en fait. Je cherche pas ça. J'ai un objectif à atteindre. En sorte que la communauté francophone be alert about join the army because that community don't have we don't have a lot of information about it even though, you know myself I've been looking for information every day je cherche toujours des informations je cherche parce que c'est ça c'est là l'armée a tout c'est là c'est poser tout ce qu'on te demande c'est ouvrir le livre. C'est-à-dire, open the book and read your information that you need. That's it. Because even though your ton propre chain of command, sometimes they don't know about one program. Parce que parfois, la main fluctue. Ils ouvrent un programme aujourd'hui, ferment demain. Parce que ils regardent que bon, on ouvre tel programme, OK? Et on se rend compte que
Beaucoup de personnes n'appliquent pas pour le programme, ils ferment le programme. Ils ouvrent encore un autre. C'est comme ça que ça marche avec l'armée, en fait. Ils font tout pour mettre le soldat à l'aise. Donc, ils ouvrent des programmes, ils envoient l'information. Généralement, les gens ne savent pas. Quand ils se rendent compte qu'ils ont envoyé une information et que les soldats ou bien le civil ne veulent pas prendre le programme, ils ferment le programme, en fait. Parce que ça consomme de l'argent, bien sûr. Donc, quand ils se rendent compte qu'ils perdent l'argent et que ça ne forme pas les soldats, parce que leur problème, c'est de faire en sorte que chaque soldat soit complet à son niveau. OK? C'est pour ça qu'ils ouvrent toutes ces petites écoles, ces formations et tout. Et tout. Il y a tellement de formations dans l'armée américaine. Ils ouvrent toutes ces formations pour faire en sorte que chaque soldat puisse atteindre ses objectifs. Mais parfois, nous sommes paresseux. Il dit, non, bon, chaque soldat sont paresseux. Les soldats sont parfois paresseux, ils ne veulent pas faire telle chose et on ferme le programme. C'est tout. Donc, il y a le réserviste. Nous avons fait une vidéo sur les réservistes et tout. Allez, jetez un coup d'œil. Je vous donne un indice. Il y a un seul corps qui n'a pas l'option réserve. Le reste, ils ont l'option réserve. Donc, vous pouvez y jeter un coup d'œil, bien sûr. Vous pouvez bien sûr y jeter un coup d'œil. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil à ça et vous me dites sur tout. On va répondre, on me dit vraiment à cette question et si on va repartir sur notre sujet d'aujourd'hui. Oh, salut Amadou Ba. Nice. Ibrahim Sow. Oh, ce Ibrahim Sow, c'est. Comment je vais le dire? Il commente beaucoup, hein. Il commente beaucoup et oui. Il apporte beaucoup de soutien à la chaîne. Merci beaucoup, Ibrahim Sow. Merci. Ibrahima, pardon. Ibrahima Sow. Merci beaucoup. Tu commentes beaucoup. Je vois beaucoup tes commentaires et tout. Beaucoup. Et tes likes aussi. Parce que quand vous likez, je sais. Merci pour le soutien, en fait. Ouais, les bateaux, c'est la main qui est sur les bateaux. Ouais, sur le Navy. Yeah, sur le Navy. Sometimes the Marines, they can be over there. Even though the Army, you know. That's why I say I always recommend US Army. Parce que tous les jobs que vous avez dans Air Force, Navy, Marines, Corps, Coast Guard, you have that in the Army. Même quand tu es dans l'armée, tu peux être dans sur les eaux, hein, les bateaux et tout, et faire le même truc que le US Navy. Donc, donc en gros, c'est ça. Donc, en fait, voici, on reprend encore. À quoi s'attendre? Comment se préparer maintenant, donc, la formation, basic training? On a déjà vu. Comment, à quoi s'attendre? Vous devez vous attendre à, première des choses, c'est apprêter à ce qu'on vous gronde. Si vous êtes le genre de personne que vous n'aimez pas qu'on gronde là, vous avez de attitude problem because most of American people got what we call attitude problem. I mean, if you are in the US, you understand what I mean by attitude problem. But maintenant, pour ceux qui sont aux États-Unis, attitude problem, ce sont les gens qui ont les problèmes de comportement, les impolis là. Ceux qui sont impolis, vous allez être choqué. Le basic training sera extrêmement difficile pour vous. Extrêmement difficile. Si vous êtes quelqu'un d'impoli, quelqu'un qui ne sait pas trop qui, généralement on dit les je m'en foutiste, comme on dit en Afrique là. Basic training sera. J'ose même pas dire la difficulté avec laquelle. Parfois, vous n'allez pas graduer. Quand les autres vont faire 3 mois, vous en faites 6 mois, 7 mois là-bas. Parce que le jour où vous allez manquer le respect à un seul instructeur, ils vont faire en sorte que vous allez passer plus de temps là-bas pour que vous puissiez comprendre l'autorité. Mais si vous êtes le genre de personne que tranquille, hein, vous suivez les instructions, faites ce qu'on vous dit, vous êtes respectueux, mais ce sera tellement facile. Donc ça, c'est première des choses. Apprenez à ce qu'on vous gronde correctement. On va vous gronder. On ne va jamais porter main sur vous. Je me répète.
On ne portera jamais la main sur vous. Jamais. Parce que pour que même votre instructeur vous touche comme ça, il vous demandera la permission. Est-ce que je peux vous toucher? Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant le basic training. Parce que vous voyez les formations en Afrique, on fouette les gens, on fait, il n'y a pas ça. On fait pas ça. Non. On fouette pas les gens. Non, pas du tout. Ils ont une manière de vous punir psychologiquement. Vous n'allez plus jamais refaire. On ne va jamais vous toucher au basic. On ne va jamais porter main sur vous. On ne va jamais vous interdire d'aller aux toilettes. On ne va jamais vous interdire de boire de l'eau ou bien jamais. Tout est organisé. Tout est organisé. Dans la main américaine, il y a ce qu'on appelle le barre body system. C'est quoi? Parce que quand vous êtes au basic training, vous êtes dans ce qu'on appelle barre body system. C'est quoi le barre body system? C'est quelque chose que l'armée a institué pour faire en sorte que un soldat puisse toujours traquer un autre. Donc, comment ça se passe? Vous n'allez jamais voir un soldat au basic training marcher seul. Ça n'existe pas. Impossible. Si vous voyez quelqu'un marcher seul, il aura les problèmes. Automatiquement. Parce que même quand tu marches, tu sens que tu es seul, c'est un problème. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le barre body system. Ça veut dire que soit tu marches un garçon, deux personnes. Une fille, deux personnes. Soit deux filles, un garçon, ou bien deux garçons et une fille. Ça, c'est ce qu'on appelle le proper battle body system. Un soldat ne marche jamais seul. Jamais. Jamais. Le jour même que tu marches seul comme ça, ton instructeur te voit, tu connais déjà. Le jour là, tu vas pomper. Oh, j'ai vu des gens faire des trucs au basic. Et à savoir que quand vous êtes au basic training, vous devez aussi vous comprendre que on ne punit pas une personne. Parfois, même la personne qui fait le truc, on ne le punit pas. Hein. Parce que quand vous êtes au basic training, vous êtes dans ce qu'on appelle un squad. Un platoon, pardon. Vous êtes dans le platoon. Le platoon, c'est 60 soldats. OK? Et quand une personne fait une bêtise, on ne punit pas la personne qui a fait la bêtise. La personne qui a fait la bêtise, on la met devant. Et c'est vous qu'on punit. Est-ce que vous savez pourquoi on vous punit? On vous punit parce que vous avez laissé la personne qui est devant là faire une bêtise. Ça veut dire que vous devez toujours traquer la personne. Vous allez toujours voir que quand un soldat ou bien votre coéquipier fait une erreur, vous le. Une fois. S'il ne veut pas comprendre, vous le reportez directement. En fait, c'est ça. C'est ce que je trouvais exceptionnel. C'est qu'il fait en sorte que quand j'étais souvent avec certaines personnes, ils commencent à faire une bêtise et que, gars, mon frère, je ne veux pas pomper, je ne veux pas courir, je suis fatigué, on va nous punir. Vous voyez un peu? Maintenant, quand il fait ça et qu'il ne veut pas comprendre, vous devez le reporter. Il faut reporter à votre superviseur que tel faisait telle chose et je lui ai dit de ne pas le faire, mais il l'a fait. Là, on ne te punit pas. Mais si tu as vu et tu n'as rien dit, tu vas respecter le code, comme on dit généralement. Donc, attendez voir ça. Parfois, quelqu'un m'a fait une bêtise. Vous allez voir, on va vous réveiller à 4 h du matin, 3 h du matin. On m'avait dit, toe the line, vous vous placez là. On m'a dit, allez, push, vous pompez. Vous pompez depuis pendant 4 h du temps. Donc, quelqu'un me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne marche pas seul? On ne marche pas seul, pourquoi? Parce que trop de mauvaises choses arrivent dans l'armée quand il y a des mauvaises choses qui arrivent généralement. Il y a le sexual assault, sexual harassment, il y a le viol. Il y a tout ça. Il y a des gens qui arrivent avec des mentalités. Il n'a pas vu. Il veut violer seulement. Il y a des gens comme ça. Un sexual assault, un sexual harassment, sharp, not in my army. Même si tu es mon propre frère, you are involved in sharp, mon frère. Je vais te reprendre parce que ça n'a pas de place dans la vie. Ça n'a pas. Dites-moi que je suis. Tu vas dire quoi? Oh, je suis. J'ai trahi. Quoi, quoi, quoi. Non. Tu sais que ce n'est pas right. C'est mauvais ce que tu fais. Pourquoi tu le fais donc? Pourquoi tu le fais? Moi, je te reporte. Je ne joue même pas avec ça.
Si je vois une fille ou bien un garçon qu'on a en train de qu'on appelle ça de harceler sexuellement, même parce qu'il y a, on ne harcèle pas seulement sexuellement, ok? On ne harcèle pas seulement sexuellement, on harcèle verbalement et tout. Donc une fois que tu vois ça, mon frère, reporte. Parce que la personne qui fait ça, peut-être ne fait pas seulement ça sa première proie. Demain, ça peut être ton frère ou ta fille qui rejoint l'armée et qui a ce même traitement-là, de la même personne peut-être que tu n'as pas reporté. Parce que, écoutez, dans l'armée, les positions changent. Aujourd'hui, vous êtes tous une promotion. Dans 10 ans, la personne peut-être que tu as laissée au basic training, qui était en train de dire que ah, c'est pas mes affaires, ah, c'est pas mes affaires. Tu vois, il était en train de faire des mauvaises choses au basic training. Personne ne la reporte. Quand il sera haut dans le chain of command, il va continuer à faire ça. Il aura tellement de. Il va bousiller la vie de beaucoup de personnes. C'est pour ça que l'armée ne rigole pas avec ça. C'est cela qu'ils ont mis en place le système de bad body system. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose t'arrive, ils vont te demander, tu étais avec qui? Parce qu'on ne marche pas seul. Tu étais avec qui? Si tu étais seul, moi je dis que mais pourquoi tu étais seul? Tu es déjà en fou. Même si tu es d'abord en fou, parce que tu étais seul. Ça, je parle du basic training. Maintenant, quand on arrive, quand vous finissez la formation, on a fini et tout ça, parce qu'on vous a appris déjà les valeurs de l'armée américaine. Donc, c'est ça. On ne marche pas seul. Quelqu'un me demande pourquoi on est puni si on marche. C'est parce que tu ne dois pas marcher seul. Est-ce qu'on conduit sans permis? On conduit pas sans permis. Il y a des gens qui savent conduire sans permis. On conduit ça pas sans, on ne conduit pas sans permis. C'est la règle. On ne marche pas sur le basic training. We don't walk alone. The basic combat training. Never. Never. Used to be a bad body system. Même quand tu vas parler à ton instructeur, vous devez être à deux. Bad body. Everywhere you go, partout où tu pars, you need to have your bad body. Maintenant, après que vous avez appris ça, il faut vous apprêter psychologiquement à ce qu'on appelle le gas chamber. Vous pouvez taper sur YouTube, je pense bien. Je pense, on avait publié une vidéo sur le gas chamber, mais YouTube a censuré la vidéo parce que ça contenait des contents qui étaient un peu bizarres. Parce que c'est une vidéo où les gens vomissaient, les gens et tout, donc. Gas chamber, donc on va vous mettre dans une salle et on va vous envoyer un gaz là. C'est un training qui vous permet de survivre. On vous apprend comment répondre à une attaque biologique. Donc, vous allez entendre beaucoup parler du gas chamber. Mais il n'y a rien là-bas, en fait. Ça ne peut pas vous tuer, en fait. Ça ne peut pas vous tuer de toute façon. Ça ne peut pas vous tuer. Le gas chamber can kill you. Le gas chamber ne peut pas vous tuer. Donc, encore, qu'est-ce qu'il faut que vous puissiez vous attendre pendant le basic training? Pendant le basic training, bien sûr, vous devez apprendre à manger vite. Manger vite. Hein. Manger vite. Très vite. Ouais, apprendre à manger vite. Manger beaucoup et vite. Parce que vous consommez de l'énergie chaque jour. Donc, vous allez manger vite pendant le basic training. Très vite. Apprenez à manger vite. De toute façon, ça vient avec le temps. Apprenez à manger vite. Ça vient avec le temps, mais apprenez à manger très, très vite. Très vite. Beaucoup et vite. Je répète encore. Apprenez à manger beaucoup et apprenez à manger vite. OK? Ensuite, il faut encore quoi pendant le busy training? À quoi est-ce qu'il faudrait vous attendre? Il faut, comment on appelle ça? En fait, je cherche le nom approprié parce que j'ai peur d'être. J'ai peur d'être sanctionné par YouTube, en fait. Une fois de plus. À savoir que YouTube censure beaucoup de mes vidéos, en fait, parce que je suis trop cru, en fait. Parce que vous êtes censé avoir une vidéo chaque 2 jours. Mais quand je finis de tourner une vidéo, on finit de tourner une vidéo. On lance sur YouTube. YouTube dit que cette vidéo ne peut pas être publiée, en fait.
par rapport à l'algorithme que nous utilisons. Je dis qu'on ne peut pas être publié, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, il y a maintenant, je crois, YouTube a mis cette option du genre pour certaines vidéos qui ne sont pas au public, qui sont seulement aux abonnés, seulement aux abonnés de la page, quoi. Donc, YouTube a posé donc une condition selon laquelle on peut envoyer certaines vidéos de ce côté-là. Mais pour voir les vidéos là, vous devez payer, je crois, 2 ou 3 dollars. Donc l'équipe et moi, on réfléchit encore si on doit vous faire payer 2 ou 3 dollars pour voir les vidéos censurées. Que parfois les YouTube censurent certaines vidéos, quoi. Donc en fait, c'est un peu leur manière à eux de faire leur commerce, quoi. Parce qu'ils peuvent censurer certaines vidéos, ils demandent que les gens doivent payer pour voir la vidéo parce que ça contient des informations un peu plus deep, plus profondes, quoi. Parce qu'on détaille souvent généralement tout. YouTube nous dit que non, c'est ce que vous avez dit là-bas et tout et tout. Donc en fonction de l'algorithme qu'ils utilisent, ils te font comprendre que c'est ça. Alors, quelqu'un va me poser la question, comment YouTube c'est ça? De comprendre, YouTube c'est une très grande entreprise, hein. Il y a des gens qui sont payés. Faut écouter ce qu'on dit là. Ils tapent les algorithmes, ceux qui connaissent. Ils tapent les algorithmes pour savoir les informations qu'on envoie sur YouTube. C'est en toutes les langues possibles. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Donc, ils sont payés pour ça. Donc, quand ils font comme ça censure certaines vidéos. Donc, nous allons mettre l'onglet rejoindre. Donc, je crois d'ici 2 ou 3 jours. D'ici 2 ou 3 jours, YouTube nous a donné la possibilité de faire cela. Il y aura les différents paliers, en fait, des abonnés. Il y aura les abonnés de 2 dollars et poussière, 3 dollars et 16 dollars, quoi. Donc, en fonction de votre abonnement sur la page Live la question Dieu, vous allez avoir les cours de ASVAB, vous allez avoir les vidéos censurées. On va pas dire censurer les vidéos qu'on dit que je parle, tu donnes trop d'informations. Vous allez avoir toutes ces vidéos-là que vous pourriez voir et télécharger. Parce que savoir que les vidéos que je fais sur YouTube, bien sûr, il y a des contenus qui sont téléchargeables, il y a des contenus qui ne sont pas téléchargeables. OK? Qui sont téléchargeables. Donc, de ce côté-là, tous les contenus seront téléchargeables. Donc, je pense que ça va apparaître bientôt. On a envoyé à YouTube. On attend la validation de YouTube. Donc, YouTube nous a quand même fait comprendre que c'était possible. Donc, on a atteint 2000 abonnés. Donc, du fait qu'on a atteint 2000 abonnés, YouTube nous fait donc comprendre que vous pouvez maintenant faire ce contenu parce que vous avez déjà assez d'abonnés pour pouvoir balancer de ce côté-là et pouvoir mettre ces trucs-là. Donc, de ce côté-là, vous allez voir les choses comme ça, les t-shirts de l'armée et tout. Avec la marque, comme on a parlé dernièrement, la marque Triomphe. La marque Triomphe de Live, la question du don, pouvoir acheter les t-shirts là-bas. Bref, les petits trucs, quoi. Et tout, et tout. Donc, ça sera de ce côté-là. Parce que YouTube ne nous permet pas de mettre ça ici, quoi. Pendant encore, qu'est-ce que vous allez même encore faire pendant le basic training? Pendant le basic training, Amine, c'est tout. Il n'y a pas un grand miracle là-bas. Il n'y a pas un grand miracle. Si vous avez des questions, merci de les mettre, d'envoyer sur m'envoyer sur Instagram, sur mon adresse email. Et aussi que généralement sur l'adresse email, il y a des fois je n'arrive pas à lire, ok? Il y a des emails parfois que je n'arrive pas à lire. Je sais pas avec quel vous avez écrit. Parfois ça arrive, c'est crypté, hein. Je sais pas si c'est mon téléphone ou bien. Parfois même quand je mets sur l'ordinateur, j'arrive pas à lire vos emails. Donc, si vous vous rendez compte que vous m'avez envoyé un email, ça fait une semaine que je n'ai pas lu, écrivez-moi sur Instagram ou bien écrivez à l'équipe. L'équipe me fera comprendre que tel message a été envoyé, quoi. Et ça pourra venir, bien sûr. Ok. Donc, yeah. Autre chose à savoir que. Ah ouais, marcher seul, il ne faut pas marcher seul. I mean, for me, it's easy. Mais le business training, pour moi, c'est facile. Right uniform, right place. Ça veut dire que vous devez être dans le correct uniforme. Toujours le correct uniforme. Vous allez voir les gens qui vont marcher sans chapeau. Punition terrible, vous allez respecter le code. Punition terrible, vous allez respecter le code. Est-ce qu'on entre dans la main avec les tatouages? Oui, on entre avec les tatouages. Mais ça dépend des tatouages. Il y a des tatouages. Si votre tatouage. Ouais.
Ouais, mon t-shirt là. Il n'y a pas de tatou ici en haut comme ça. C'est cool. Maintenant, ici, les tatouages doivent être ici là. C'est-à-dire, quand vous mettez votre uniforme, on n'a pas vos tatouages. En fait, quand vous portez votre uniforme, on ne doit pas voir des tatouages. Donc, voir vos tatouages remplis sur le corps. OK? Remplis sur le corps, partout, partout, mais le visage, les mains. Pas de tatouages. Les mains comme ça là. Quand vous êtes déjà dedans, oui, vous pouvez. Ça dépend, vous pouvez faire, mais je ne vous conseille pas. Vous êtes dans la mer, oui, vous pouvez faire, mais moi, personnellement, je ne conseille pas cette option-là. Pas du tout. Je ne vous conseillerais pas cette option. Faites pas les tatouages sur le truc. Faites sur le corps, le dos, partout et tout. Maintenant, le deuxième truc qui peut disqualifier, bien sûr, c'est les tatouages qui portent atteinte à une communauté. Ouais, un peu. Vous avez les tatouages nazis, les tatouages qui parlent peut-être de quelque chose sur une communauté. Vous n'avez pas rien la main avec eux, ce genre de tatouages-là. Les tatouages des gangs et tout ça. Il va l'enlever. Allez, enlevez, vous revenez. Parce que l'armée respecte toutes les communautés. L'armée respecte toutes les communautés. Je me répète. L'armée respecte toutes les communautés. Donc, ce qui va faire en sorte qu'ils n'accepteront pas que vous avez fait un tatouage ou bien quelque chose écrit sur votre corps et ça dénigre une autre communauté. Et ce qu'on appelle le EO. Equal Opportunity. EO, hein. Je pense bien c'est EO, un truc comme ça. Donc, l'armée n'a. Non. Ils font pas. Ils sont pas dans ça. Ils font pas dans le. Ils sont pas discriminatoires, il n'y a pas de discrimination dans l'armée américaine parce que tu es noir, bien parce que tu es blanc, parce que tu es musulman et tout. On respecte tout, votre culture et tout. Vous allez voir des gens avec la barbe et tout. Si ils ont leur culture demande de porter la barbe, ils amènent la documentation nécessaire qui les permet d'avoir la barbe. On laisse avec leur barbe. Ouais, ceux qui portent les turbans là, on porte ça. Je ne sais pas si on appelle. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais ceux qui portent bien sûr les turbans là. Vous devez mettre la documentation nécessaire qui vous permet peut-être de toujours maintenir ça et vous êtes tranquille. Ils respectent toutes les cultures. Pour moi, c'est quelque chose de bien. On ne vous demande pas. C'est l'un des trucs dont j'ai vraiment apprécié dans la main américaine et tout. Donc, bonjour, quelqu'un qui a déjà un master qui intègre l'US Army en tant qu'HDG, combien de temps? Ok. La question de Sabin Tassi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien et tout. Bonjour, quelqu'un qui a déjà un master et qui intègre l'US Army en tant que active duty, tu veux dire? Parce que duty, c'est. Quand on dit duty, c'est ta tâche. Hein. Il y a reserve duty, active duty. Donc, reserve duty, ça veut dire que part-time, moitié. On ne peut devenir qu'officier. Il y a deux éléments de base pour devenir officier. Le premier élément de base, c'est être citoyen américain. Faut être citoyen américain. Le deuxième élément de base, c'est qu'il faut avoir le bachelor. Si vous voulez savoir ce que c'est que le bachelor, allez dans la chaîne Life Like a Soldier, bien sûr. Allez dans la chaîne Life Like a Soldier, bien sûr. Et regardez la vidéo où nous avons posté sur comment les États-Unis équilibrent. Comment on appelle ça? Comment les États-Unis traduisent vos diplômes? Vous allez savoir l'équivalent de votre bachelor. Nous avons fait une vidéo sur ça, bien sûr. Je vous invite à aller regarder dans la chaîne. Nous avons fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder dans la chaîne. Comment les États-Unis. C'est long, c'est un peu long à expliquer. Donc, c'est pour cela que. Je vous conseille d'aller dans
Je vous conseille d'aller dans cette vidéo-là. Vous allez voir tout ce qu'il faut pour ça. Donc, il n'y a pas de temps peut-être pour devenir officier. Comme j'ai dit, deux grands éléments. Avoir le bachelor. Maintenant, l'équivalent de votre master bachelor. Il faut regarder cette vidéo. Il faut regarder cette vidéo-là. Elles sont assez claires, je pense. Hein. Si mes vidéos ne sont pas claires, merci. Si vous ne comprenez pas souvent certaines choses dans les vidéos parfois, merci de les mettre en commentaire. Ça aide tout le monde. Si une vidéo vous a plu, non. Si une vidéo vous a pas plu. Vous nous dites en quoi la vision ne vous a pas plu pour qu'on puisse corriger, pour que ça aide tout le monde en même temps. Parce que parfois, quand j'écris le script de la vidéo, bien sûr, et tout, bon, il y a des informations que, bon, il n'y a pas dit ça, tel, tout, bon. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, c'est pour ça qu'on dit, c'est ouvert, la barre de commentaires, elle est ouverte. Je pense que je lis généralement tous les commentaires. Mettez les commentaires, on va répondre. On va répondre. Maintenant, la troisième des choses, c'est ce qu'on appelle le DT score. Ligne de score appelée DT score. Quand vous passez le ASVAB, vous devez avoir plus de 110. Une note supérieure ou égale à 110. Quand vous avez une note supérieure ou égale à 110, vous êtes qualifié pour l'Officer Courses. Maintenant, il faut appliquer. Il y a d'autres choses encore. Mais là, c'est in-service déjà. OK. Ok, bonjour le diable. Cet abonné, le nom, ça me fait toujours. Quand je lis souvent les commentaires, je vois le diable. Je dis comment, man? How you call yourself le diable? That's so funny, too. That's really funny. Ok, la question de Ivan Akono. On a parlé de ça tout à l'heure. Comment organiser ses finances avant d'aller? C'est-à-dire assurance, loyer. Toutes les compagnies actuellement. Je ne dis pas toutes les compagnies, parce que je ne connais pas toutes les compagnies, bien sûr. La majeure partie des compagnies actuellement, ils ont fait ce qu'on appelle le auto-payment. Ils vous conseillent de mettre votre téléphone, l'assurance de votre voiture, tout ça sur auto-payment. C'est-à-dire, vous mettez l'information de votre carte dans leur système et chaque mois, ils coupent seulement. Assurez-vous seulement que l'argent soit dans votre compte. Parce que l'argent sera dans votre compte, bien sûr. Parce que le premier jour, vous partez au BJJ. L'armée commence à vous payer chaque 2 semaines. Donc, assurez-vous qu'il y ait toujours l'argent dans votre carte bancaire ou bien dans votre compte bancaire. Donc, que ce soit l'assurance et tout, ils vont couper. Mais maintenant, comparé à la maison, ça dépend des différents endroits où vous habitez. Il y a des complexes, des agences qui font. Des agences qui font en sorte que vous puissiez avoir auto-payment, bien sûr. Vous pouvez avoir auto-payment. Vous pouvez payer votre lit sans auto-payment. C'est auto-payment! C'est comme ça qu'il faut organiser ses dépenses. Auto-payment, ça veut dire que prenez du temps, asseyez-vous, calculez tout, voyez ce que ça vous donne au total. Vous ajoutez un peu un extra. Et faites en sorte que votre carte bancaire qui soit enregistrée dans toutes vos transactions est toujours au minimum ce montant-là. Pour que vous n'ayez pas les overdrafts ou bien dit que vous n'ayez pas payé X ou Y. Mais l'argent que l'armée vous paye va suffire largement pour couvrir toutes vos dépenses. Totalement, ça va suffire. Totalement pour couvrir toutes les dépenses que vous avez faites, quoi. En fait, il n'y a pas. Il est impossible de s'engager dans quoi que ce soit sans diplôme, sans degrees. OK? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vient vous le dire, c'est faux. Pour les gens là-bas américains, si vous n'êtes pas citoyen américain, bien sûr. Vous devez avoir soit le bac, soit le GED. Nous avons fait une vidéo, la dernière vidéo postée, bien sûr, c'est comment avoir c'est quoi le GED? C'est l'équivalent du bac aux États-Unis. Donc, soit vous avez le high school, soit vous avez le GED. Maintenant, si vous n'êtes pas citoyen américain, vous devez avoir ce qu'on appelle la green card. Et bien sûr, encore, nous avons fait une vidéo de comment avoir la green card. Quels sont les différents moyens d'avoir la green card? Donc, c'est du genre. Nous vous donnons ce dont vous avez besoin. Et quand vous voyez qu'il y a un truc qui ne répond pas, nous faisons une vidéo pour vous expliquer clairement et tout. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Autre chose.
Les finances, là, quand on parle de finances, normalement les gens gèrent mal les finances, mais bon. Ce sont les détails. Ok, ensuite, il y a une question encore qui est, que une personne m'a demandé la dernière fois, c'est, je suis en France, comme j'ai dit tout à l'heure, je connais pas la France. Je suis jamais allé en France pour le moment. Peut-être un jour j'irai en France. Je suis jamais allé en France. Je connais pas ce qui se passe en France. Donc, les formations de la France et tout, alors non. Je connais ce qui se passe aux États-Unis, la France. C'est pas mon domaine de définition, comme on le dit souvent. Et je ne veux pas être de ceux-là qui viendront vous mentir, quoi. Voyez-vous? Je ne veux pas être de ceux-là qui viendront vous mentir. Et qui viendront vous mentir, bien sûr. Et vous dire que vous devez faire X ou Y parce que non. Je parle de ce que je connais ou bien des recherches que j'ai pu faire et avoir confirmé l'information avant de la publier. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde en fait. C'est bénéfique. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Bien sûr, on a fait pratiquement une époussière. On va s'arrêter là et dans 10 minutes, en fait, du moins après cette vidéo, nous allons launch. Nous allons lancer bien sûr notre prochaine vidéo, bien sûr. Notre prochaine vidéo. Donc, nous allons faire comme ça chaque dimanche, dans la mesure du possible, bien sûr. Nous allons faire un live chaque dimanche. Donc, parfois, si vous avez des questions qu'on n'a pas répondu au cours de la semaine, essayez de vous connecter le dimanche. Le dimanche, généralement, à cette heure-ci, on va faire une vidéo. On va faire un live. OK? Donc, je vous remercie tous du soutien. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir, en fait. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir aider la communauté, quoi. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc, c'est sympa. Je vous dis merci. Pas vraiment. Je remercie tout le monde. Donc, ceux qui veulent savoir comment devenir pilote, ceux qui veulent savoir comment devenir pilote, c'est la prochaine vidéo qui va être lancée sur la chaîne. Comment devenir pilote dans la main américaine. Donc, merci à tous. Merci d'avoir écouté le direct. Merci parfois de prendre le temps de m'écouter. Donc, prenez soin de vous et nous nous reverrons pour nos prochaines vidéos. À ciao, ciao la famille.